Tony. Ah, entre qu'on en finisse. Ok. Ouais. Bonjour Simon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Du calme. J'ai appelé l'inspecteur. Une aide professionnelle ne peut pas faire de mal. Ça ne serait pas du luxe, vu les blaireaux que tu as envoyés. Mmh. Ça, c'est le rapport. Ce sont vos hommes qui ont fait ça? Oui, je suis passé tout à l'heure à le chercher. Et où sont-ils maintenant? Là. Ils sont à leur tâche quotidienne. Tâche quotidienne? Oui. Tu commences à me mépriser, lui, hein? C'est ce que je te dis, quand on va aller dans la forêt, aller tailler des poires, s'occuper de deux ou trois petites choses. Venons en fait. Peut-être faudrait-il commencer par le début. Ouais, t'as raison. Commençons par le début. C'était 14h30, je venais de les appeler et ils finissaient une tâche que je leur avais confiée. Je suis pas d'humeur, j'ai pas eu mon café du matin. C'est ta faute, t'as oublié le thermo. La thermos. Thermo. Ah non, on dit thermos. Ah, tu m'énerves. Chocolatine. Non mais moi je t'ai dit qu'on dit pain au chocolat. C'est chocolatine, on dit. On est à la ligne. Et on est au Maine-et-Loire et au Maine-et-Loire on dit pain au chocolat. On dit chocolatine, pourquoi? Parce qu'une chocolatine c'est juste du pain avec deux barres de chocolat à l'intérieur. C'est ça. C'est tout bon. Non mais dans ces cas-là, à Paris-Brest c'est juste un trajet. Ah, c'est vraiment qu'un con. C'est pas un argument valide. Et c'est toi qui n'as pas un argument valide. En plus, c'est même pas un vrai pain, c'est un pain avec. Oh, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. Quelle heure il est? Il est à peu près 11h20. Déjà? Ouais. Bon, va falloir y aller. Et je maintiens, on dit chocolatine et on dit thermo. Non, pain au chocolat et thermos. Bon, écoute, on va régler ça, on va rentrer et on mettra ça au clair, ok? On va surtout boire un bon café. Bon, le blondinet. Une dernière parole pour la postérité. Ah, mais va te faire foutre! À être trop têtu, on finit buté. Et du coup, comment t'appelles ça, toi, un pain au raisin? Mais tu fais chier! Un pain au raisin, bah c'est un pain au raisin, y a pas d'autre nom. Tu vas pas appeler ça une raisinine. Alors pourquoi t'appelles ça une chocolatine? Moi j'ai ton téléphone. Danny, Francis est là? Ouais, mais il est occupé. Dis-lui de s'amener et mets le haut-parleur. Ok. Francis! Ouais. Amène-toi. C'est le patron. Qu'est-ce qu'il y a? On a une sacrée emmerde. J'étais avec Tony, il vient de m'informer d'un truc pas net. Est-ce que c'est les histoires? Vous savez que le clan de Tony a subi d'énormes pertes ce mois-ci. Une douzaine d'arrestations, rien que dans son clan. On a échappé de peu à ça, ouais. Selon Tony, c'est parce qu'on a une taupe parmi nous. Non. Il est temps de faire le nettoyage de printemps. Vous abandonnez tout ce que vous avez à faire. Je veux savoir qui balance. N'attendez pas mon accord pour qu'il se teste définitivement. Salut. Mais patron! Il a raccroché. Mais merde! Mais par où est-ce qu'on va commencer, nous? J'ai ma petite idée. Mais d'abord, faut que je me change. Et notre ami, ici-bas? Il y a cette terre. On y va. Allons-y. Allons-y. Attends, tu ne leur as pas dit que la balance était sûrement de ton clan? Y'a aucune preuve de ça! Mes hommes, aucune parole et ont de l'honneur! Hein? C'est vrai, Tony, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais de toutes les arrestations, ce sont mes hommes qui ont casqué! Simon, lui, a la plus grande influence dans la ville, et pourtant, non, monsieur ne subit aucune procédure! Dis tout de suite que c'est moi là! Et pourquoi pas? Tu oses m'insulter? Toi, tu vas te prendre un œuf dans la gueule, toi! Calme! Ce que dit Tony tient debout! Et en plus, c'est pas un 9, c'est un 6. Les indiques ne donnent quasiment jamais ceux qui sont proches d'eux. Par quoi vos hommes ont-ils commencé? Ah, ils ont été voir un type qui travaille avec sa petite bande. Il vous a donné l'argent vendredi, il n'y a pas eu d'arnaque! On n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Alors comme ça, on donne les collègues au poulet? Quoi? Te fous pas de nous, Max? On n'est pas d'humeur.
Tu te fais arrêter pour cambriolage, avec assez d'herbe pour enfumer toute une brigade d'estupes. Tu sors après 48 heures de garde à vue. T'as donné combien de noms pour sortir en aide? J'ai balancé personne, je vous jure. Oh, on t'entend, il nous jure. C'est sûr que maintenant on peut plus douter de son intégrité. T'as cru pouvoir nous baiser, hein? Karl! Quoi, Karl? Il appelle sa mère à la rescousse. Oh, comme c'est mignon! Demandez à Karl. Karl, le botaniste? Le chimiste. Si vous voulez une info, une adresse, un nom, il l'aura. T'intéresse que ce soit vrai, Max? Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Jamais va. Allez, vendredi prochain, et l'argent. Et tiens-toi sage. Et c'est exactement ce qu'il s'est dit? Apparemment, oui. Et l'idée d'aller voir ce Maxime, il est de qui? Ouais, Francis. Ok. Et ils sont allés le voir, ce Karl? Ouais. Il leur a dit quoi? Si tu veux, il était mentalement absent, présent, mais mentalement absent. Quoi. Ça veut dire quoi, ça? Même plus la quintessence de son design. Et en français, ça donne quoi? Il ne pense plus, il n'est plus. Foutons-le sous la douche. Ce sera pas du luxe. Allons-y. Lourd. Non, oh. Non, il va enlever son visage. Non, il va se pisser dessus. Non, à moi, grand chef. Oh, c'est tout, je m'assiste. Il redescend. Non, c'est pas trop tôt. Vous voulez acheter de la... On veut un nom et une adresse. Ah, pour ça, pour aller voir Boule de Neige. Oh, est-il pour Boule? Je crois qu'il a plus toute sa tête. Oh, sans déconner, merci Captain Obvious. Bon, on le refout dans le salon. Allez, je boule. Si vous voulez un nom, adressez-vous à moi. Et qu'est-ce que t'en sais? Je sais tout, je vois tout. Ah ouais? Alors qui est-ce qui joue les balances depuis quelque temps dans l'organisation? Tu connais la blague de l'ananas? Non, ne parle pas s'il te plaît. Demande à la pitié. Moi, Car. Mais c'est bien, moi c'est Danny. Hein. La pitié vous donnera l'adresse. Tu veux pas nous dire directement? Abrège. Je ne sais rien plus, sinon qu'ils avaient une balance parmi eux. Et tu veux pas nous dire directement? Désolé, mais cet esprit enfumé qui est le mien n'est plus. Si on trouverait une pastèque de la taille de Montgolfière. Et ils les ont écoutés, ces toxicomanes? Si tu veux, ils ont fait comme ils ont pu. Parlez-moi un peu de nos hommes. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise sur eux? Je sais pas, moi, leur vie, leur quotidien, ils en sont là quoi en dehors de vous? Bah, si tu veux, pour Francis, il va être père. Donc lui, ça va. Pour Danny, en fait, il bosse pour moi parce qu'il paye ses études. Ils font du travail super, nickel, il n'y a pas de problème, j'ai rien à leur reprocher. Ils sont vraiment au tip-top. Ils s'entendent super bien, ils sont comme cul et chemise. C'est vraiment deux frangins, quoi. C'est vraiment bien, c'est des mecs bien. Gagne rien de ces mecs là, si? Oh, tu sais, c'est des petites frappes. Toi qui n'empiètes pas sur nos plates-bandes, on les laisse voler les jantes de voiture et braquer les petites vieilles. Petit joueur. J'ai faim. Et on va manger un pain au chocolat après. Ah, t'as dit pain au chocolat. Merde. J'ai gagné. Tais-toi. Arrête, je conduis. Bon, comme tu veux.
toute façon, je prendrai un croissant. T'as rien contre le fait que j'appelle ça des croissants? Non, mais t'es particulièrement chiant. C'est pour ça que tu m'aimes, mon ami. Ouais, malheureusement. C'est là. Oui. Tu sais qui on est? Oui. Alors, baisse ton arme. Voilà. Quoi ça? Une table basse. C'est un plan. Mm-hmm. Un plan de quoi? Boulangerie? Mais je la connais, cette boulangerie. C'est celle qui est boulevard Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Vous avez la bras-tu? Mais dis donc, si tu vas en avoir des glaouis pour s'attaquer à un établissement aussi bien sécurisé qu'une boulangerie de quartier. Waouh! Oh oh! Et c'est planifié pour 3 heures. Précis, professionnel. J'admire. Franchement, j'admire. Bon, allez, la bleusaille. On est venu vous poser des questions. Vous aviez un indice dans vos contacts avant? Non? Bah, c'est que, en fait, on l'a perdu. Vous l'avez perdu? Ça aurait été trop simple. On l'a retrouvé en décembre, pendu dans un garage. Ah oui, je me rappelle. Ça avait fait la une du Ouest de France. Je sais pas. Je m'en fous. Bon, ça a tendance à m'énerver cette histoire. On va voir Emile? Emile. Oui, Emile. On a vraiment le choix? Non. D'accord. Ça paierait à l'essence. Merci beaucoup. Vamos. Allez, salut. Et surtout, bonne chance pour le braquage. Bonne chance pour le braquage. Ouais, ils sont partis. Mais attendez, qui d'autre était au courant du braquage de cette boulangerie? Mais le gars, mais quel rapport? Non, poursuivez. Ouais, ils sont partis voir l'autre, comme je disais tout à l'heure. Alors, voilà le bordel, mon grand. Tu sais quelque chose d'important pour nous. Mais tu sais aussi qu'on a un contrat sur ta tête. Donc, que tu nous dises ou pas, tu sortiras pas d'ici. Du moins vivant. Alors, on a deux solutions. Soit on compte sur ta montée de cœur, soit on va être obligé de ruser. On est clair? C'est pas bien compliqué en même temps. Il est malin. Mmh. Alors, je vais te poser la question. Qui c'est-il qui joue les balances et qui nous pète les couilles à bloquer nos après-midi en cherchant à le débusquer? On peut pas compter sur sa montée de cœur. Il va donc falloir ruser, mon cher Danny. Tout à fait, Francis. Heureusement, on avait prévu ça. Donc voilà le concept. Soit tu regrettes et tu nous réponds, soit on te fait regretter, puis tu nous réponds. Et bande d'enfoirés, vous êtes les deux mieux placés pour savoir, en plus. Mais voyons, si on te pose la question, c'est parce qu'on ne connaît pas la réponse. Et puis, une balle dans la tête, ça ne sera pas le temps de répondre. Bande de cinglés, flinguez-moi et qu'on en finisse. Ok. Naphtaline. Essence de luxe. Oh non putain, non. Mais putain, c'était quoi ça? T'allais pas vraiment lui foutre le feu, si? On est pas dans un putain de film! Mais c'est de l'eau, abruti! Je bluffais! Merde!
il y en a... De toute façon, c'est pas grave. C'est trop tard. Mais il y en a partout. Merde. Je m'en fous, c'est toi qui nettoie. Quoi? Pourquoi moi? Ouais, voilà où ils en sont. C'est-à-dire pas plus avancés que nous. Seulement? Ce sont des bien piètres enquêteurs, je vous l'accorde. À chacun son métier. Oui, en effet, oui. Mais enfin, tout de même, ils ont surtout passé beaucoup d'air. Mais ils ont surtout alerté tout le monde. Et ça, là, je vous dérange pas, moi. Enfin, bref. J'ai la réponse à votre problématique. Savez-vous pourquoi vos hommes n'ont pas apporté de solution? Visiblement, non. Bah, tout simplement parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Pourquoi? Pour protéger un ami, par charité? Non, rien de tout ça. Non. Vous savez, au théâtre, lorsqu'un acteur joue plusieurs rôles, la pièce devient confuse. Simon, je vous répète la question. Avez-vous réellement confiance en vos hommes? Supposons que oui. Eh bien, vous avez tort. Vous savez le braquage? Le braquage de cette petite boulangerie de quartier. Eh bien, elle a mal tourné. J'ai un rapport ici qui me dit qu'une demi-douzaine de policiers a débarqué dans cette boulangerie. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Eux qui ne quittent jamais leur machine. Eh oh oh oh! J'étais pas de service ce jour-là. Mais je peux vous assurer que ça ne se produit pas par hasard. Et qui d'autre était en mesure de les prévenir? Quoi? Ça me fait penser à une chose. Vous savez, Emile? Eh bien, c'était notre indicateur. Lui qui a ravalé sa langue, alors qu'il pouvait vous apporter la solution à votre problème. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que nous, on avait pensé que vous l'aviez liquidé parce qu'il nous avait trop dit, et non pas parce qu'il allait vous dire. Quelle ironie! Enfin bref, reste à savoir lequel de vos deux soi-disant enquêteurs va se mettre à table. Sinon les deux. J'ai un dossier ici qui me donne le nom des balances qui sont venues nous voir ce mois-ci. Et quelque chose me dit qu'il faut chercher ceux qui ont commencé il y a 3 mois. Mais pourquoi 3 mois? It's a question. Voyons voir. Tiens, accord entre police et indicateur. Tiens non. Celui-ci demande une immunité totale contre les procédures et une réinsertion dans le monde du travail. Va pour les procédures, mais une réinsertion. C'est original, non? C'est vrai, puisqu'on peut éliminer la concurrence proprement grâce à la police, pourquoi ne pas profiter d'un monopole? Ouais. C'est drôle, ça. Réinsertion qui s'effectuera dans 6 mois. Durée voulue par l'indicateur lui-même. Mais dites-moi, 6 mois et les 3 mois passés, ça fait une sortie du milieu dans 9 mois, ça? Non. Une grossesse, Simon. De futurs parents. C'est motivant, ça, pour sortir d'un milieu. Vous trouvez pas? Tu vois, Simon, je t'avais dit qu'il était de ton côté. C'est au boss de régler ce genre de situation. Fais ce que tu as à faire. Mais t'es sûr de toi? Après, tu vois, il voit le mec, il s'approche de lui, il regarde droit dans les yeux et il lui fait: oui. Avant que les Allemands arrivent. Merci. Merci. Génial. Très très bien trouvé. Celle-là elle est bien, j'adore. Allez, au jour de paye. Santé. J'en ai une aussi. Tout bien. C'est l'histoire de 1000 nains. Ils vont à la mine. Pour aller à la mine, ils doivent traverser un champ. Les nains, c'est petit. C'est mathématique.